Dis-nous. J'ai toujours préféré les chats aux chiens parce qu'il n'y a pas de chat policier. Moi, j'ai eu un chat pendant très longtemps qui ressemblait beaucoup à Minouche, d'ailleurs, puisque c'était un vulgaire chat de gouttière, mais particulièrement distingué, qui s'appelait Métro. Je l'avais appelé Métro parce que je l'avais trouvé un jour, à la fin de mai 68, pendant que des agents de police jouaient au football avec lui sur l'escalier du métro Hall. Et avec des copains, on avait réussi à l'enlever à ces dignes représentants de l'ordre, et je l'avais appelé Métro à cause de ça. Il y a une chose dont il faut absolument que les gens se débarrassent, c'est cette habitude de dire mon chat. De la même façon que l'on n'a pas le droit de dire ma femme parce que ça n'est pas une propriété, on n'a pas le droit de dire mon chat non plus. Ce chat ne m'appartient pas, c'est un chat. Je crois que c'est pas par hasard. Quelque part, si on appelle les chats dans le vieil argot français des greffiers, il m'a toujours semblé que les chats étaient fascinés par le phénomène de l'écriture. Et oui, souviens-toi de Métro, par exemple. Il avait une sympathie particulière pour les écrivains. En général, il avait assez bon goût. Et je pense qu'il aurait même, à la limite, remplacé avantageusement la plupart des critiques littéraires des principaux journaux français. Pour moi, monsieur, rien n'est galère. Les tirailleurs sénégalais qui mourraient tous pour la patrie. Autant béni des colonies. Autrement, des chats. Elle a vraiment pas l'air d'aimer ça. Non, elle est bien sûr. C'est vrai que ce chat nous a fait aimer la musique, et plutôt une musique intéressante. Mahler, Verdi, elle a une passion. Elle a une passion pour Verdi. La force du destin lui tire les larmes. Et là, d'ailleurs, elle est en train de penser à ce qu'elle a écouté ce matin. Ce matin, elle a écouté deux cantates. Les deux cantates de Bach. Dorade royale sur un lit d'épinards en branche. Sautez à la commode. Levez les filets, s'il vous plaît, servez mademoiselle. Attention aux arêtes. Voilà. Laissez-la manger son premier filet, vous servirez après. Et pour demain? Je propose une souris, un peu d'agneau peut-être. Une souris, un joli gigot. Nous ne garderions que la souris. Alors une souris, je note. Ça devrait plaire, vous savez. Essayons. Essayons, mais essayons. Les clients en mangent, monsieur. Monsieur Boisset, monsieur Curtelin. Les chats sont finalement les animaux les plus moralistes qui existent. Et la morale d'un chat, c'est vrai, c'est une chose très grave, très sérieuse. Et on ne manque pas à un chat. Et quand on lui ment, c'est encore pire. Par exemple, bon, on essaye de lui faire, j'ai essayé de lui faire passer une symphonie pour Bruckner en lui disant que c'était de Mahler. Elle est comme moi, elle n'aime pas Bruckner. Elle m'en avoue. C'est ce chat qui m'a appris une chose, c'est qu'il était urgent de réhabiliter le silence, de réhabiliter la paresse, le sommeil, qui sont les vertus essentielles, les vertus pacifiques de l'humanité. Il est évident, comme tu dis, on parle beaucoup trop, et que si on se taisait comme eux, on s'en irait sûrement dans ces vies intérieures mystérieuses qui sont les leurs. Enfin. C'est extraordinaire aussi, ces histoires de suicide des chats. Ah bah ça, c'est... Minouche m'en a donné la plus grande preuve d'amour qu'on m'ait jamais donnée. Ma femme avait trouvé un petit chat dans la rue. Un petit chat de 2 mois, comme ça, qui était abandonné, qu'elle amène à la maison. Dès l'abord, elle l'a refusé. Alors je lui ai expliqué qu'il fallait être gentil avec son petit cousin, qui était un enfant abandonné.
Et effectivement, elle ne s'est plus occupée de lui. Elle s'est mise dans un coin de l'appartement, là-bas. Elle a tourné le dos à l'appartement, comme font les chats quand ils ne sont pas contents, ils tournent le dos à l'appartement. Et elle n'a plus bougé pendant 3 jours. Sans manger, sans boire, rien. Alors j'ai été très inquiet, je l'ai emmené chez un vétérinaire très vite. Le vétérinaire lui a fait des piqûres de vitamines et des choses comme ça, mais il m'a dit, vous savez, de toute façon, il n'y a rien à faire. Elle se laisse mourir parce qu'elle vous veut, vous, seul. Alors j'ai emmené le petit chat chez un ami, Jean Carmet, qui a récupéré le chat. Le lendemain matin, elle a commencé à se promener un petit peu pour voir s'il n'était plus là. Le soir, elle mangeait un petit peu. Et le lendemain, ça y était, elle était en pleine forme, elle recommençait à vivre. Mais en sursautant à chaque fois que la porte s'ouvrait pendant plus d'un mois. Tellement elle avait peur qu'on ramène notre chat. L'amour est quelque chose de très très important. Chez les chats, ce sont des êtres de passion. Oui, absolument. Moi, j'avais une amie italienne qui, il y a quelques années, avait 2 petits chats, d'ailleurs 2 adorables petits chats noirs qui avaient l'air d'un frère et d'une sœur. Et qui s'aimait d'une manière absolument passionnée et passionnelle. C'était vraiment l'amour fou. Et puis un jour, la petite chatte s'est fait écraser bêtement par une voiture dans la rue. D'ailleurs, quand on dit se faire écraser bêtement, j'ai jamais vu quelqu'un se faire écraser intelligemment, mais ouais. Cette chatte s'est fait écraser par une voiture et le chat s'est laissé complètement dépérir. Il ne mangeait plus, il restait dans un coin. Et quand il a vraiment compris que la petite chatte n'en viendrait jamais, un jour, la fenêtre était ouverte, il s'est jeté par la fenêtre du 6e étage et il est mort. Volontairement. Ah, tout à fait volontairement. C'était un suicide caractérisé.